qui tout moyen dans mail pour faire mission à l'étranger entrer dans pays là pour venir craser la population pour venir jouer dans crâne peuple là genre et j'aurais pas dit dans musique lien hein donc son l'état côté que je dis hein, nous devons combattre par tous les moyens son l'état côté peuple haïtien hein, doit mobiliser pour craser l'état ça parce que l'état ça li pas réglé un rien de pays l'état ça qui toute catégorie moun avèl il y a tout mentionné avèl on nous fait bien attendant eh pour doit faire contact avec soi fait bien attendez commission justice sénat la ou enquête et commission justice sénat l'a fait élite invité DG hein? DG la police là monsieur Gédéon font déclaration ils font révélation et à partir d'aujourd'hui à moi dit nous si vous même hier m'te dit m'te allié gouvernement et en même temps m'te allié et opposition jodi a Sorel Jacinthe à partir de déclaration révélation déjà fait là moins pas allié président Jovenel encore qui déclaration beaucoup fini pas allié président ou même saute là à long rencontre avec madame l'ambassadrice là, là, et la ligne mon regrette que le invité moi était allé suivant déclaration ça parce que ça me fait remarquer à partir de déclaration déjà nous sommes dans un pays où les dirigeants de ce pays, ce sont des gangs. Ce sont des voleurs. Et ce n'est pas des gens qui ont dirigé le pays. DGA font déclaration, Lydie. L'an patrouille que vous avez gagné sous question la douane. La question pour dire que vous avez des conteneurs, que la douane n'a pas dirigé, que vous avez passé sous frontière. Lydie prend la police, l'ivoye au Gratier. Gratier, c'est ça? Gratier. Donc, yo kembe 10 conteneurs. La 10 conteneurs, il relè directeur douane, il pas venu. Il relè premier ministre, c'était en janvier, il pas venu. Il relè président, il pas venu. D'accord, ça m'appelle. Jusqu'à présent, la paravel, la pas yon qui vient paravel sous ça. Elle était en 10 jours. Les affaires des marches, 10 conteneurs que le kembe a. Que le terrain est président, le terrain est premier ministre, disent qu'on est obligé de faire des matchs qui remettent chaud. Donc l'encens ça, je ne sais pas ce que c'est là-dedans. L'encens ça, la révélation qui fait là, moi je regrette, malgré ces populations qui étaient faibles, que je n'ai pas appuyé le gouvernement ça. Je n'ai pas appuyé le président ça, je n'ai pas appuyé et ça qui a fait là, je n'ai pas cherché, nous sortis à la mienne. Donc je dis à partir de cette déclaration, pour somme de travail que nous aime faire, pour moi si le pays est capable de nous aller mieux, suivant déclaration ça, nous déclarer devant le public là, et nous bouchons. Eh bien, désolé. Parce que ce n'est pas possible. Si un directeur général de la police prend la police là, à partir de tout ça, il y a parlé sous corruption, sous la douane, sous série de bagailles, il y a 10 conteneurs. Et puis lui est le président, lui est le directeur de la douane dans le Pagouen, lui est le premier ministre qui lui est le président de la République qui joue. Pour lui même la peine, vous le connaissez exactement, vous le faites. Personne, par exemple, le petit doit être, par exemple, soigné. Moi-même, je dis à partir de la déclaration ça. Est-ce qu'il y a une vérification qui fait le conteneur national? Pas de aucune vérification qui fait. Lui-même, lui est obligé, après 10 jours, il est obligé de remettre le conteneur. Donc ça, il n'est pas possible. Je dis à partir de cette déclaration, si moi-même d'aller au gouvernement, je regrette que d'aller au gouvernement. Et qui est en responsable? Mais c'est quoi, monsieur? Je n'ai pas rien pour moi avec le président Jovenel, avec le gouvernement, avec rien qui a fait dans le gouvernement. Parce que ce n'est pas possible. Et côté bagarre la pidole, côté bagarre la pidole, des nègres qui soient disant sénateurs, même j'avais, les questions à discuter, c'est comme si c'est avocat, vous voyez, problème n'a posé, c'est comme si bon bagarre, il y avait ses défenses à défendre, pas connaître. Donc, je dis, moi-même, question gang n'a pas. Merci beaucoup. C'est une déclaration ça que lui-même qui fait que je dis ça. Donc, moi, pas l'autre de GDGA, il est encore là. Il est encore là. Il est encore là. Mais cependant, mon grand bagage m'a dit, eh bien, je dis à ma face gouvernement. Ma face président.
Donc moi même mettez dans la bataille là, parce que malgré toute bataille que m'a fait, vous comprendre des un lieu, un côté, t'es bon vérité, t'es bon bagaille, et bien je dis à partir de déclaration, moi j'ai mauvais, me comprendre. Donc je dis à moins pas moins. Lire les directives. Mes amis, l'un n'a pas les là. Moi, je fais nous retendre lui. En attendant, avant de me faire contact pour me parler à sénateur, moi, l'homme qui proche, il dit, il ne parle pas, c'est le téléphone. Le mot au Saint-Labdou que nous prenons en gang, que Jovenel, c'est chef gang, nous ne pouvons pas comprendre. Nous pensons que nous parlons à Jovenel, c'est Zénith. D'où que Jovenel, c'est gang. Et Jovenel, kidnappé par Pal, par rien, pas fait. Madame qui levait Jovenel, là, m'y sont là. Et dans grand coup, madame n'a mouri. Je coupe de pied, et dans grand coup, madame n'a mouri. Il dit, madame, quand on va perdre ça. Ça, madame n'a besoin d'un boîte là, il va perdre. Il va perdre rat ou bien la fête avec fourmi qui va le manger, il va perdre ça. Oh. Mais ça, quoi le manger, et il va le perdre. Ça, nous va le perdre là. Mais à qui est-ce? Mais à qui criminel? Nous en face, nous. Allô? Oui. Mais criminel, nous en face, nous. Pas de problème, journaliste. Pas parlé d'aller sur qui t'en a pour mettre. Et nous, quand finaliste. Nous avons commencé avec la finale. Nous avons pour mettre fait vêtements, nous avons tout mal en rien de bon côté. Nous avons tout. Même pour me permettre de payer, à comprendre. Jovenel fait prendre une machine en bas derrière un seul. Tout sale, tu as été sale, habitué. Maltraité. C'est notre Georges. Malgré ses défauts qui font aux gens, vous ne pas sortir l'aide. Net. Ça veut dire, on nègre que vous jugez Jean-William Mourin, mon grand frère. Nous avons permis, même président de la République, vous m'attendez. On nègre à rapper, on compagnie va rapper machine en bas. Qui est-ce? Jean Mourin. Mourit tout, monsieur. Sénateur, mettre sur lui. On a tout lagué. Mais maintenant, qui t'entend pour la rue? Où est-ce que le sénateur, vous voulez faire son mot? Eh, okay. Le temps que je m'en parle, il m'a fait contact avec le sénateur et. Sorel, déjà. Sorel. Maintenant, il va me permettre d'entrer avec le sénateur, qui vient me faire contact avec le sénateur. Sénateur, vous, comment nous y est? Eh bien, nous saluons Maître Stel, nous saluons Morin, nous saluons. Tout auditeur, auditrice, capitaine d'émission, et moi, j'attendais justement déclaration sénateur Sorel Jacinthe, mais c'est que dès que nous faisons contact là, lui-même l'a parlé, parce que je dis, il y a un bagage qui arrivait, que justement, qui dit, c'est sénateur Jacinthe, puisque nous avons toujours qu'on a parlé, et nous avons toujours dit que il y a des bagages qui sont inacceptables, et moi, qu'on est position depuis longtemps, moi, j'ai toujours dit, de toute façon, nous avons le temps, mais la fini par ouais. Eh bien, je dis, pendant que nous étions dans la commission justice et sécurité, déclaration où le directeur général là, l'IFEA, son déclaration, justement, qui révélait, eh bien, ça, moi-même, moi, déjà, j'ai un rapport de contrebande qu'a fait en Haïti. Donc, contrebande d'État. Et justement, c'est ça, DGA, et révélé, je dis, lui-même, lui dit, que les gens ont information côté que yo dit si grand point que le placer tel côté dans Gantier à telle heure et après 8 heures du soir eh bien il voit le ça qui passer dans pays et bien justement il fait lui et dès que il mettait point 2 heures d'après eh bien c'est des conteneurs qui a débarqué qui a sorti sous frontière qui a passé. Il rete yo, kontene sa, jen di a, yo gen ciment, yo gen fè. Et li pense que, kom deje la polis, pa apwa informasyon, son gros coup ke l fè. Immédiatement que li pren, justement, kontene sa, yo kinye la den ou de ton. De fè pa blye, sa m'ap di a,
au SNEL à Mourin, c'est que conteneur, c'est pas que yo pas chargé ou non, mais gros mafia qui dans l'État à la douane qui baille des bordeaux de 41 000 gouttes. 41 000 gouttes, parce que moi, j'ai tout le dossier. Okay. Nous-mêmes, nous allons travailler sous lui à tête frette pour nous identifier tout ça. Mais en attendant, nous allons faire une côté que, normalement, c'est téléphone, sur mon téléphone qui t'a coûté, disons, 1200, 1300, c'est lui, si on t'a pris 20% qui vous t'a chargé pour 41 000 gouttes. Quand il y a un compte de 9 heures, lui chargé pour 41 000 gouttes. Ça veut dire que, la douane associée à ce qu'a fait là, puisque ce n'est pas des conteneurs qui vont passer par route là. Ce n'est pas des conteneurs qui vont passer par la douane haïtienne. Ce n'est pas des conteneurs qui vont passer par Sicuya. Ils passent par Sicuya, mais ils ont chargé 41 000 gouttes. Ça veut dire, la douane tellement connaît ça, ils ont fini de charger, ils ont tant après 8 heures du soir pour laguer, pour rentrer dans le pays. Maintenant, immédiatement, DG à lui-même, lui arrivé, fait quoi? Eh bien, de façon, on m'a dit, très content, DG à, lui relève le directeur douane pour lui dire, mais ça a passé. Mm-hmm. Directeur douane lui dit que, eh bien, lui apprécie quoi? Immédiatement, il va l'intervenir, il va le voyer agent douanier, il va le voyer commissaire gouvernement. Une heure après, Nan Marinat, qu'on y a liré le premier ministre là. Premier ministre a dit, ah bon, c'est un très bon coup aussi, et que j'aimerais la passer à, et déjà dit le Kembe papier, et que mes sacs viennent arriver, conteneur qui vient fait ciment, une heure d'après, Nan Marinat. Qu'on a déjà remonté à président. Et président, lui-même, en général, dit déjà, mon cher, c'est vraiment, si ça nous voulait combattre contre le monde, et que ton coup est formidable, et que nous-mêmes, nous allons rapidement voir par où, commissaire gouvernement, et puis, avec tout l'appareil judiciaire, pour que vous mettez un exemple à côté. Allô? Oui, vous l'avez, sénateur. Oui. Et puis, deux heures d'après, Nan Marinat, DGA, il est obligé, le garder le 3 heures, 4 heures du matin, il est obligé de prendre tout le conteneur, mettez dans le commissariat quoi de Bouquet, Kembe moun yo en état d'arrestation, parce que là, c'est flagrant délit. Quand douanier a l'éclair, là, pas de taxe, mais là, c'est mon bail qui sous-taxé, et il fait de façon, mon bail qui pas taxé, il fait de façon volontaire. Normalement, eh bien, déjà, parce que, étant donné que le tenant nuit, eh bien, autorité, eh bien, peut-être pas jouer de l'autre moun yo, parce que le lendemain matin, moun yo a vini, autorité, commissaire gouvernement, Nan Marinat, rien pas fait. Et après 10 jours, le commissaire gouvernement vient laguer tout le monde, lui remettre conteneur. Donc ça veut dire que Jodia, nous comprenons. On ne va pas de Paul Léonce Villa qui laguer tout le monde et puis remettre conteneur. Alors, comme c'est quoi des bouquets qui laisse. Oh, ok. Commissaire quoi des bouquets. C'est commissaire quoi des bouquets. Donc, immédiatement, ça révulse ces sénateurs. J'accepte qui, là, les Vinouais, que le président. Étant informé, il n'a jamais réagi, et au contraire, il a passé l'ordre à commissaire gouvernement pour la guémonio. Donc ça veut dire que c'est la contrebande d'État. Oui, son silence complice. Oui, ça veut dire que c'est l'État en général qui d'accord fait une facture de 41 000 gouttes, côté de fait une facture de 10 millions de gouttes, il fait 41 000 gouttes, et justement, où il y a 10 machines. Donc 10 là, au lieu peut-être de ces 100 millions de gouttes de l'État de 40, eh bien, il est rentré peut-être 10 fois 41. Donc, je dis, c'est que, ou non l'État. Ça fait en total 410 000 gouttes. 410 000 gouttes. Parce que moi-même, moi-même, on connaît son acte de dossier que bien. Moi-même, moi, j'ai un dossier, même moi, je travaille sur lui. Et commission, qui ont un rapport pour le contrebande, n'y parle pas de rapport. Et. N'a pas de exercice à soi, hein. Ou qu'on est mon caloré, sénateur Yuri. Ok. Faut être souligné, non? Pas de problème. Nous sommes capables. Et puis, je m'apporte avec sénateur et Sorel, Osnel. Sénateur Sorel avec nous souligné, non? Je m'apporte câble là, Osnel. À nous déraper avec sénateur Sorel. Sénateur Sorel, comment ça y est? Ça va, mon forme. Et pays à ce tapgadé, nan qui niveau ou consterné par déclaration ça? Après découverte ça, sénateur, en forme?
Ah oui, ma forme, ma forme. Mm-hmm. Ok. Dis-nous, non, sénateur. Et sénateur, il faut taper nous en détail le dossier. Hein? Mais ou même, sénateur, qui vivent là, dis-nous comment, à quel sentiment vous vivez ça qui passe. Bah, une explication plus sur ça qui passe. Bon, je pense que sénateur Yuri expliquez-nous exactement ça qui passe. Parce que pour moi-même, moi, j'étais acteur, lui-même, il t'a attendu, il t'a regardé. Que ce soit sénateur Bélizé, j'ai été répondre, moi. Que ce soit sénateur Fétière. Mm-hmm. C'est comme si bah, sénateur encore, son petit monde, donc quelque chose à ça qu'a fait, là, faut d'accord avec elle. Et je crois que si je parlais plus fort, je suis capable de battre moins, parce que bon, Yuri, tout exactement, qui parole, le sénateur Fétière, lui-même dit, lui qu'a battu, lui qu'a tué, lui qu'a crasé. Sénateur Fétière. Oui, sénateur Fétière. Sénateur Yuri, attendez, donc. Bon, m'indigné, parce que quelque part, c'est nous connaît très bien, et c'est notre goût qu'on a mis, et nous tout le temps de par mes déclarations, moi-même, moi, en façon que nous avons besoin, crise la résoute, malgré que nous fait même constat, et oui qu'on a, nous fait même constat, mais moi-même, suivant mes expériences, nous avons bataille pour, même lorsqu'on tabouille et Jovenel aller, mais il faut que tu aies une négociation qui est entamée pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Mais l'entendu, sénateur et le directeur général de la police, qui pas nos informations que le bail, lui dit que le directeur général de Douana, il pas répondre, il est le ministre répondre, il est le premier ministre répondre, il est le président de la République d'aller répondre. Et maintenant, le parle avec lui, d'accord avec lui, il dit qu'il va faire le nécessaire. Il était tenu de 10h à minuit, il n'a pas jamais parlé avec lui. Donc, l'élouer ça avec patrouille et lui-même, il est obligé de prendre des 10 containers à l'enquête générale. Donc, il expliquait que il vient parler, après 10 jours, c'est les salles, il est obligé de remettre les containers. Parce que personne n'a contacté, même le président de la République de l'ICR là, donc il n'a pas contacté, il est obligé de remettre le conteneur. Donc ça, ça, c'est une indignation, parce que automatiquement, même lorsque le conteneur est à pour président, zénith de la radio diffusée. Automatiquement, on parlait avec le directeur général de la police là, qui fait travail. Là. Donc, ou même on t'a supposé faire mon ça retourner avec le conteneur ou bien faire le payer droit. Non, j'ai pas pu payer. Donc, il n'a pas jamais parlé. Que ce soit le directeur général de la de douane, que ce soit le ministre de la justice, que ce soit le premier ministre, que ce soit le président de la République. Donc, moi-même, pour moi, donc ça, c'est pas un pays. C'est pas un pays. Donc, en sens ça, on dit bon, écoutez, il y a des bagailles qui sont défendables. Donc, dans ça, moi, j'aime comprendre la question, je ne suis pas qu'à faire partie de mon Israël, quelle que soit façon. Hein. Mm-hmm. Donc, il faut me faire déclaration, vous mettez dans l'opposition. Donc, moi, je suis sorti devant tout sénateur, commission et autres là. Je invité la presse, ma déclaration. Et de fait, et je répète encore, je suis maintenant à l'opposition, dans l'opposition officiellement. Mm-hmm. Donc, quand il y a l'éclair et sénateur Joël Jacinthe, débat constat au fait, c'est gang qui a dirigé nous. Bon, moi, je dis, moi, je répète, c'est vrai, ça, il paraît très fort. Mm-hmm. Mais suivant ça m'entendait directeur général de la police, c'est-à-dire, hein, parce qu'un directeur général de la police, qui lui-même mettait en patrouille de poste que président a dit que la combatte corruption, a combattu pour quel que soit monde gagné, conteneur, qui a sauté quel que soit côté Saint-Domingue avec marchandises, il faut passer par la douane. Donc, lui-même, lui mettait patrouillé, lui qui avait 10 conteneurs, et puis personne ne va dire rien. Donc, quelque part, son comme Dakadoula, c'est mon gang d'État. Ouais. Mm-hmm. Donc, Kounia là, et sénateur Soral Jacinthe, personne ne va connaître qui côté connaît ça où aller, et à qui ça va servir. Le sénateur, qui s'en dit, et il a un rapport, le rapport à l'Iba et sénateur Yuri, que sénateur Yuri lui-même voyait pour moi sur WhatsApp, hein. Poco Lille, moi, pas Lille, et d'ailleurs, même, civiquement tout, en dur,
Donc, je vais aller, je vais regarder tout le détail, je vais connaître exactement pour qui est-ce qu'on tenait ça à l'OTJ. Après que tu es fini de mettre à la douane. Donc, je vais chercher qu'on aime beaucoup plus, mais le sénateur, qui est même avec nous, qui a parlé avec nous, il a déjà le dossier en main. Donc, il connaît plus que moi le dossier. Donc, il est capable d'enseigner nous beaucoup plus. Donc, ou par contre, on est tout qui ça dans le conteneur? Non, par contre. Je disais au directeur général qui a essayé de faire une explication parce que je dis que je vais le parler. Je dis que je vais le faire déclaration. Donc, je comprends. Je comprends en tant que directeur général, la PCD justifier certaines choses. Je m'a dit la justifier pour dire que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. On dit que c'est faire avec ciment dans le conteneur. Donc, comme c'est le Kéwayo, c'est le Kékembeyo, c'est fait avec ciment dans le conteneur. On ne va pas dire le contraire. Mais ça me laisse sous pas de bas et sénateur à ta pète, mais où? Bon, ça m'a demandé sénateur Yuri, Jean, qui fait sénateur Fitière, et sénateur Bélivère, qui s'est aussi, et sénateur Fitière dit la batte-moi. Bon, Marino, le géant que je suis, et quand même, pour sénateur, c'est-à-dire qu'il n'a pas de mal, vous comprenez. Bon, mais puis, il a pensé qu'il a appliqué coup, la police, non, le décide, non, pas que la gare. Il a pensé qu'il a appliqué coup. Quand même, toujours dit, l'homme, on a fait un problème avec, on a couru, donc il n'y a pas de bon, il parle dans le monde avec. Bon, peut-être c'est ça. Il dit un bagage, même pas quoi que. Parce que bon, écoutez, là, regardez sénateur Fitière, bon, bah, écoutez, d'abord, il passe pour le Batman, là. Ah ouais, non, là, on va comprendre. Et moi-même, comme grand monde, je ne vais pas lever même sous. Mais je ne vais pas lever même sous. Chut, attendez. Non, grand monde, pas de grand monde, c'est clair. C'est soit on mourit à l'instant, ou bien on mourit après. Okay. On ne va pas lever même sous. Ne pas répéter les mêmes choses du passé, les mêmes vous y allez, et puis les mêmes temps finir la loi par contre ils sont faits. Oui, on passe pour autant. Autorité de l'État a été établie quand même. Exactement. Donc, mais pour autant, je suis capable de dire que je n'ai pas gagné à voir avec le président Jovenel. Ok, Sandom Dalmando, modèle opposition pour le faire, est-ce que son opposition côté que WAP, dans la WAP, implique dans toute bataille qu'a faite contre Jovenel? Oui, écoutez, Yuri, les sénateurs, tout qu'on est moins, chaque monde a ce travail qu'on a habitué à faire au café. Okay. Parce que, écoutez, nous sommes dans l'opposition, c'est l'âme déliée, à l'époque, le président Matéli, donc tout le monde connaît moins, Préval, c'est vrai, nous sommes entrés dans Préval, nous sommes formés l'unité avec lui, que nous qu'on y a. Mais tout le monde connaît Sorel, donc je suis à l'opposition, et ben, je vais faire mon travail comme ça doit. Je vais dire que je vais le faire dans la rue, je ne sais pas quoi c'est tout le monde qui est dans la rue, si vous êtes dans la rue, je vais dans la rue, okay. Si vous êtes dans la rue, je vais dans la rue, les vous êtes dans la rue, je vais dans la rue. Et travail que je vais faire, donc je vais faire, je vais faire. Correctement. À ma façon. D'accord. Merci un peu, sénateur Sorel Jacinthe. C'est un plaisir. Merci, sénateur. Fais prudence et pour M. Valle, je vais mettre sous. Ah oui, un peu prudence parce que. Non, il va sur le sénateur. Il dit qu'il fait ça à faire. Il a agressé l'envoisiste déjà, les sénateurs, un peu là-dedans. Il était là aussi. Il vient agresser mon gola, donc je ne sais pas pourquoi. Donc là, il me trouvait qu'un peu prudence. Je vais parler avec le directeur général de la police là, qui bat à la base devant, pour le qui somme de violence, M. Kébli fait sous moi. Donc, il faut prendre pile précaution, il faut prendre pile précaution. Oui, il faut prendre pile précaution. Et pas seulement mettre mon sénateur Fétien ou bien Bélizier. Mais à Jovenel même. Premier monde de Jovenel. Sécurité de toute ma vie, que je suis dans l'opposition, quel que soit côté mien, sécurité n'est toujours dépendre de moi-même et de grand maître Marcel. Donc, c'est à moi de me donner la sécurité nécessaire. Et vous pensez que. Comme d'habitude, même toujours.
tête. D'accord. On a essayé plus vigilant si gain quoi accord pour plus vigilant. Oui. Parce que gain quoi accord. Non, ouais, ça là clair, tout ça. Il connaît tout. Ouais. Il doit avant mais après faut que on pas quoi gain cap chance. Bah on n'est pas bon, non, mais pas gain les cap chance, vous voyez pour moi ou bien je m'attaquer, bah quoi gain cap c'est le fait. C'est sûr la victime. D'accord, merci un peu, sénateur. Merci, sénateur. Sénateur Yuri. Bonne soirée et encore un salut, sénateur Yuri. D'accord, on retourne à sénateur Yuri. Merci. On retourne à sénateur Yuri, parce que c'est exercice-là. Et après ça, vous savez, nous-mêmes, on a fait parler par nous. Ah oui. Oui, sénateur Yuri. Oui, et moi-même, moi salue et sénateur Jacinthe. Et ça le dit justement, quoi, c'est exactement ça. Alors, c'est un bon point à m'ajouter. Mm-hmm. C'est que moi, j'ai parlé tout à l'heure à sénateur Fétière, qui lui-même te dit, excusez-le de mots qu'il dit, de l'heure de réagir. Alors, beaucoup relé sénateur Jacinthe pour me dire, mais sénateur Fétière te relé, il te dit vraiment, excusez-le de ça. Parce que, et comportement peut-être, t'es allé au-delà de ça que t'es de fait. Mais ça qui, extrêmement important, c'est que Morin et Sonel, vous connaissez depuis que je suis là, et je n'ai pas tapé, par la brève, tu as privé sénateur Sorel, et moi-même, je suis tapé campé, sénateur Fétier, son monde que je connais, nous n'avons pas la même position, et parole n'a pas de ça, mais je ne crois pas que nous n'avons accepté que bon bagage qui est arrivé, surtout sénateur Jacinthe, c'est son bon ami que lié, et sénateur Fétier me connaît. Parole là t'est montée. Et la parole là montée, hein, moi-même, personnellement, moi pensais que DGA lui dit en vérité. Et DGA te dit de façon crue. Parce que ça lui dit, lui montrait que lui-même. Parce que la question qui était posée DGA, c'était est-ce que justement, lui n'a pas un handicap dans le travail? Li? Hein? Seul va y avoir un handicap dans le travail. Nous parlons de gang qui est dans le pays, et maintenant, il y a une cartographie de gang. Et une cartographie dans le sens que gang qui est tel côté, il y a un rapport à tel nègre dans le pays. Gang qui est tel côté, il y a un rapport à tel nègre. C'est un travail extraordinaire que nous pouvons parler de ça, mais nous privons sous ça tout. C'est la dernière fois que l'auditeur me souffre, toi. Oui, parce que faut nous travailler sur lui pour que le nan bon bagaille nous boli bien. Parce que moi-même, en général, moi dis, pas qu'il n'y a qu'un pays ça, pays arrive arrivent en côté, eh bien, c'est grenadier à la stou. Gon bagaille qui doit fait, faut tout le monde connaître, et nèg nan pouvoir capturer. Parce que, je dis à nous dire, gen gang, gen banditis ordinaire là, deux, trois nèg qui tout, dans tout pays yel, mais c'est gang politique là, nèg qui lié à nèg qui nan pouvoir. Ouais, qui lui-même, en général, a recevoir cartouches, a recevoir ZAM, alors que nous connaissons les difficultés de la police gagne pour le gagner munitions. Donc, c'est par rapport à la question ça qui posait à, que nous arrivons dans le handicap chef police là. Ou chef police a dit, mais handicap que le gagne. Et moi-même, personnellement, je ne sais pas tout handicap là sur la question de sécurité, mais handicap ça, c'est un handicap majeur. Parce que c'est le chef de la police qui parle au président de la République. Et le président qui ne réagit pas, et immédiatement après, ou est que, eh bien, il vient nous remettre des marchandises qui, normalement, te doit saisir. Mouna, te doit arrêter. Vous changez, sous le président Préval, te gagne une opération sans côté. Mouna, te rentre la marchandise, il y a le mettre dans le dépôt, il n'y a pas été payé, eh bien, il te descend, il te arrêté. Pas jamais qu'à comprendre. Comment faire à un niveau quelconque, président de la République là, il est au courant dans le dossier, dit qu'on est dans le cabinet, il a dit qu'il va rentrer comme, il a dit l'État va gagner comme, et pourtant, c'est comme ça, aucune autorité n'est pas agi jusqu'à ce que la police ait obligé le commissaire gouvernement descendre, mander pour remettre le conteneur. Donc, dans ça, la vivre là, ça signifie, ou rapidement, faites trois conclusions. Premièrement, c'est un contrebande d'État, même j'ai un banditis d'État, parce que, contrebande, en général, définition, c'est là où on a passé hors, justement, des structures légales, et passé hors de la douane. Là, on a passé la structure, et puis, yo sous-facturé tellement, que yo sous-facturé parce que 100 fois moins que ça le délibère là. Deuxièmement, moun sa yo gen l'attitude pour yo rete, et tant toute journée, et pour yo lagué, à l'heure que normalement, il n'y a pas de qui peut traverser portail qui sous frontière. Troisièmement, il y a l'autre latitude
que même là où Kembe yo, et qui est-ce qui Kembe yo? C'est bon police Kembe yo, non? Le chef de la police qui est même au courant d'information, mettez sous tuile, donc directement le chef de la police, et l'El Kembe là, lui parler directement à tout responsable, le directeur douane, premier ministre et président. Et là, ça, malgré tout, mon Yujouani, c'est vrai, ça me dit, son acte d'état, côté que, c'est pas un bagaille, c'est peut-être chef la police, ça seulement, des cas dit, qui pas de comprendre question, c'est lui seulement que t'es gamin, mais c'est des bagailles qui fait presque chaque jour. Parce que si toute autorité, ça, autorise mon nom, eh bien, sur les riches chefs de police, là, qui fait. Donc, on va comprendre que, dans le pays, ça, pas d'avenir, ni dans l'éducation, ni dans la santé, il n'y a tout pas besoin de comme, parce qu'en définitif, l'État lui-même, l'État pas produit. L'État vive au dépens de d'exportation, de rentrer, de recettes. Et là, nous est dans quel niveau. Et que c'est la première fois qu'on arrive dans une situation que le chef de l'État lui-même vient tolérer et y autoriser le commissaire gouvernement. Parce que c'est extrêmement grave. Nous-mêmes, moi, j'ai un dossier. Et nous parlons de travail sous dossier, parce que nous avons un rapport pour notre débat sur contrebande. Nous connaissons 500 millions de dollars par année que nous payons dans contrebande. La commission était déjà well. Nous avons un rapport, nous avons un rapport pour nous bailler tout sous franchise. Et moi, je dis ça. Dans la série de ONG qui est liée à pouvoir, ils ont une franchise année dernière, 2016-2017, pour 1 milliard 500 millions de gouttes. Dans l'année président Jovenel 2017-2018, ils ont monté franchise là à 4 milliards 500 milliards de gouttes. Et on voit, ah oui, et on voit que, et ça m'a donné ces dossiers à l'appui, parce que même tout... hein? Son crime, oui. Son crime. L'ONG a gagné 1 milliard 500 millions, qu'on y a là, il y a 4 milliards 500 millions, franchise que l'État te baille en tout dans le pays, t'es à 10 milliards de gouttes. Nous te quand protester, nous écrit dans la commission éthique anticorruption que comme ça trop. Bon, nèg yo pas occupé protestation nous, yo monté franchise là à 20 milliards de gouttes. Et ONG ça a principalement li sorti de 1.5 à 4.5. Et puis monsieur a fait comprendre que ça a li explicable. Donc nous avons un rapport sur question ça, il y a un rapport qui parle sur si franchise à contre maintenant, nous allons ajouter dossier ça la donne parce que mon yo doit comprendre question. Moi-même, c'est le jour d'y nous arriver dans une situation que au monde, ou bien ambassade, a dit, mes amis, il faut que nous dialoguions. Il faut, à qui ça nous va faire la misère? Soutien de corruption qui situe à tous les niveaux, alliance avec ONG, contrebande d'État, banditisme d'État, vol de Petro-Caribe, et vous dites, pour m'chita, moi-même, me demandé, est-ce que mon ça, c'est pas parce que lui pensait que nous-mêmes, nous concourons au moins qui fait le dati nous chita. Si elle est considérée nous comme monde, il va accepter non. Parce que normalement, non pays, justement, non pays où il y a des bagailles, où pas qu'à dire au monde qui sont citoyens, qui lui-même, qui a des valeurs pour respecter, qui lui-même doit une gouvernance, que, qui doit être comme acceptable. Parce que dans n'importe quel pays, où il vit la situation, ça, eh bien, après, président, premier ministre doit démissionner dans l'heure qui suit. Donc, je dis à approuver les dossiers, nous avons tout arrivé, et moi-même, moi, j'ai fait que la guerre de Mouret pour me dédier de bagaille, moi, la guerre de tweet, pour me dire, premièrement, sous privé, t'es gagné 33 millions de dollars, c'est vrai, résolution, t'es bloqué. Président privé, t'es bloqué dans 33 millions, 15 millions de dollars, mais président Jovenel, là, il montait, t'es 18 millions de dollars dans la résolution, ça. Président dépensait, sans que l'IPAFER, ça que t'es écrit dans la résolution privée, il dépensait un peu dans le dialogue, l'imagine est comme là, n'en fait pour gel, n'en fait petit pour gel. Ça, c'est, non, Petro-Caribe, résolution, président privé, là, qui c'est des résolutions. Mais, dans le deuxième tweet, moi, je dis, il y a trois bateaux, pendant qu'on a parlé de Petro-Caribe, dans l'enquête là. Petro-Caribe, nous avons eu l'enquête, moi, ma sénateur au plan, en septembre 2016. Mais, comme président, et Jovenel de Montéa, personne ne m'a connu. Moi, je viens de l'information l'autre jour. Il y a trois bateaux qui rentrent. L'un coin, c'est le directeur général BM Batla. Président sénateur, il y a trois bateaux qui rentrent. Il y en a en 2017 et deux en 2018. Bateau, ça a environ, il y a des bouts de gaz pour 10 millions de dollars. Trois bateaux ont fait 30 millions de dollars. Mon bateau rentré, il y a 40% de cobla pour retirer la donne, pour payer Venezuela direct. Il y a 60% pour payer pour projet. Bon, tout comme ça,
li entre dans BM sans résolution et d'ailleurs dépenser. Donc ça veut dire que jodi a yo prend cash. Cash a dit que pas gen corps qui paye Venezuela, pas gen corps qui a le projet parce que pas aucune résolution. Au moins Maldo avant on dit nèg Petrocaribe depuis Prival ba, yo fait résolution, yo mal dépenser comme là, yo manger comme là entreprise, mais c'est une procédure. Bon, sous président Jovenel pas gen aucune résolution. Et pourtant, je même c'est dans opération grand monde dans l'entrée. Grand monde, monsieur mange comme grand monde. 18 millions de dollars reste comme qui était sous privé hein? Et 30 millions de dollars dans trois autres bateaux qui étaient rentrés pendant gouvernance spéciale. Moi la rentrée par la banque vous et mandial prendre quand ce soit la rentrée en deux budget président Jovenel font déficit de 50 milliards de gouttes depuis l'entrée d'ailleurs c'est ça causé justement dévaluation de la goutte là qui fait que nous à 95 gouttes ça veut dire que depuis le président Jovenel monté goutte là 1000 gouttes te vaut 17,50 $ je dis à 1000 gouttes là vaut 10 $ donc chaque haïtien vient plus pauvre à cause de gagot ça et c'est pour ça lié anormal ni inacceptable ni n'est qu'à parler de cohabitation de coexistence et inacceptable d'ailleurs à qui figure val de cohabitation à au moins nous demander pour je dis à la justice régler avec elle. Si c'est un problème politique, de politique publique, pas de problème de corruption, de gratuit, pas de problème. Ou à fond cohabitation, pour qu'à renforcer l'État, mais je dis, ou pas qu'à faire, parce que c'est un problème de justice qui peut être, c'est une juridiction administrative qui rend nos décisions, et je dis, on a découvert, chaque jour, on a découvert, je dis, on a découvert comment corruption est. Corruption dans la douane, corruption liée dans la servie à gang pour faire mon peur, corruption dans le Caribe, liée dans des malogues, et li vin anda et justement et administration côté yo dépensé 50 milliards de gourdes en plus de ça qui prévoit dans deux budgets qui voté en 2010 un budget qui voté 2017 et année ça pas qu'un budget et puis où est que déficit a continué parce que déficit a été 40 qu'on est à 50 et on pas gain dernier chiffre même si que il continue à augmenter donc dans ce sens ça moi crois que l'extrêmement important que nous avons information nous avons deux rapports qui dans mes sénat moi l'ajouter deux autres rapports sur lui okay. On l'autre rapport contre la franchise et monsieur Maître Morin dans nous finir cartographie bandio n'a mettre au courant parce que je dis a pas gagne cap caché ça qu'a fait là son crime lié contre population donc nous pas doit cacher là nous cacher là nous aussi complices ça veut dire même si on bandit dans port de paix il y a liaison à parler il y a liaison à parler. Les liaisons et liaisons, ça, les facilement vérifier parce que la commission justice a un travail qu'elle fait, et les fait, ils cherchent jusqu'à ce qu'il y ait un résultat. Et je dis, si nous, au moins, nous connaissons qui décision pour nous prendre pour nous tel, mais si nous m'a informé, nous avons tombé dans l'appli, ni les vagues, ni la manifestation, parce que gang yo interrelié, yo utilisé, ni pour vol, ni pour répression. Merci, sénateur Yuri. À moi de vous remercier. Merci. Le protestateur 27 ou 3 minutes, faut rappeler que Johnson Colin là, hein, Johnson Colin là, et on pilote monsieur accompagné qui là. Nous allons entrer avec député Printemps Bélizer en deux mots. Député Printemps, comment ça est? Eh bien, nous, là, Maître Morin, nous saluons Maître Oustel, nous saluons toute équipe. Tale, député, faut-il poser. Député, tale. Tale. C'est un gros problème. Papa, c'est un problème. Il y a rien. Qu'est-ce que tu lignes, député? Premier problème, non, c'est corruption. Oui, regardez là, tale. Premier problème, non, c'est corruption. Troisième problème, c'est corruption. Quatrième problème, non, c'est corruption. Cinquième problème dans cette corruption. Au là, Vin prendre là. Papa, il y a des. Jovenel qui toujours dit qu'il y a des problèmes, corruption. Jovenel qui dit modèle lycée Nelson Mandela. Jovenel dit qu'on ne s'en pas jamais prendre décision pour pas prier bon Dieu avant. Il a dit bon Dieu, dit Jovenel, entrez nos corruptions.
comme c'est bon Dieu dit Jovenel pour nous citer 69 fois nos rapports. Hein? Ah, Jovenel, moi. Attendez, Jovenel. J'aime bon décision, ça va consulter. Moi, je compte soutien pour me corriger ça qui mérite corriger. Pour me changer ça qui mérite pour me changer. Et pour innover ça qui mérite pour innover. Mais pour le fait, le pays a 5 gros problèmes. 5 problèmes que le pays d'Haïti a. Il va remplir 5 seulement. Premier problème, non, c'est corruption. Deuxième problème, non, c'est corruption. Troisième problème, non, c'est corruption. Quatrième problème, non, c'est corruption. Cinquième problème, non, c'est corruption. Pour nous, une route dans le pays, c'est pour nous combattre corruption. Pour nous, une lumière dans le pays, c'est pour nous combattre corruption. Pour nous, une de l'eau. Dans le robinet, nous, la caille, nous, c'est okay. Pour combattre la corruption. D'accord. Pour nous, de l'eau, pour nous, c'est terre, c'est pour nous combattre. Merci, Jojo, merci. Mm-hmm. Et oui, député Breton. Non. Ça veut dire, autant de voleurs, monsieur Von Babalé, non? Monsieur Von Babalé. Député Breton. Député Breton, allez. Allô, député. Monsieur. Et donc, hello? Oui, où avez-nous? Et donc, pays a gagné 5 problèmes qui sont corruption. Ça veut dire, première demande à président Jovenel, là, c'est corruption. Deuxième demande, là, c'est corruption. Heureusement, vous payez pas qu'on a troisième année de corruption, pas qu'on a quatrième année de corruption, voire même qu'on a cinquième année de corruption. Donc, c'est ça, ça veut dire. Donc, maintenant, je suis capable de dire à ça, là, je suis capable de dire que c'est une plus belle émission qui fait sur antenne Radio Télé Zénith. Et avant tout, je salue toute l'équipe, là. Et je salue et Maïsra ou Nicolas et tout. Donc, on nous dit, mettre pour rien. Je dis, là, il y a un bail qui était toujours à dénoncer. Et nous-mêmes, au niveau de l'opposition, au niveau des secteurs démocratiques, là, au niveau des familles, là, voilà, c'est la trier. Nous étions toujours à dénoncer l'implication de l'État dans tout crime qui a fait dans le pays. Il y a cochon à manger, monde, massacre à fait dans tout quartier populaire. Et donc, moi-même, en tant que député de troisième circonscription de Bourg-Ouest, tout le monde connaît qui engagement qui m'a gagné dans la bataille, ça. Comment que ça me dit, si pas de bon Dieu qui était présent dans la machine, ça. Eh bien, c'est un véritable massacre qui t'a bien dans la machine à mettre pour rien. Et là, on prend 10 containers d'âmes que le directeur douane a été débattu dans Paul Afito, qu'il a fait connaître qu'il était disparu dans la nature, il n'y a pas de côté. 10 containers d'âmes, ça a passé. Eh bien, l'écrit, je veux dire, là, pour la communauté internationale, ou bien, je veux dire, pour quelques pays dans la communauté internationale, là, qui a supporté le pouvoir, ça, je veux dire, là, dans tout crime politique qui a fait contre le pays, ça. Eh bien, si Matéli lui-même c'est fait tentative pour t'arrêter député en fonction, je dis à la pouvoir ça, c'est député en fonction, il est assassiné, donc moi-même, à travers des batailles qui m'a peine à mettre pour un. Et on nous dit ça qui a passé, je dis à la, là, pour un hier, ça a passé la saline, on fait des malheureux et malheureuses qui sortent Kestrof, qui sortent Fonverette, qui sortent Bénin, qui sortent dans un bon côté dans le pays, qui a fond au niveau des marchés quoi, pour ça, on est capable de se deuxième adresse. Domicile qui est au Kéren, qui s'est marché pour la boussale. On bonne, non, malheureux, ça, on met mourir. Machin, ça, yo. Jusqu'à maintenant, c'est cochon qui a mangé cadavre en Paris. Ça veut dire, je dis, là, l'or pour un sac passe au niveau du Sénat de la République. Côté que moi-même, capable de dire, l'or pour un Sorel Jacin, qui est son monde, qui est son icône qui est dans la bataille, là, à travers de tout ça que moun connaît, Sorel Jacin, représente au niveau de la Gordoche. Et c'est la première fois, je suis capable de dire, on député. L'homme de député veut parler de Sorel Jacin qui est allé à l'élection pendant 2010. C'est celle-là, c'est celle-là, tout à l'époque, c'est son page, comme candidat unique. Ça veut dire que c'est un nec qui ont passé dans la bataille là. Et moi, je me suis toujours dit ça dans la tête, moi, que Sorel Jacin n'a jamais quitté qu'il traînait dans la boue de corruption que pouvoir ça a officialisé, je dis là, dans la boue des crimes politiques, des crimes financiers. Que pouvoir ça officialiser, je dis à la, dans la boue des banditismes et d'État, que pouvoir ça traîner, puis je dis à la, je suis toujours connecté, sénateur Sorel Jacin, t'as prêté quoi dans ça qu'il y a. Et je suis capable de dire, son exemple qui trace, je dis à la, et tout notre sénateur qui est au niveau du Sénat, tout notre député qui fait partie des blocs majoritaires, là, je dis à la, son exemple qui est lié pour eux, pas grand-rien, je dis à la, qui doit vraiment déterminer responsabilité que vous gagnez pour afficher à pouvoir ça, pour respect que vous gagnez pour moun qui de vote, pour respect que vous gagnez pour nous, pour citoyens la caillou, pour jeunesse la caillou, je dis à la rue de rejoindre le peuple à soubeton,
pendant pas la voir la mettre Morin au niveau du commissariat de Port-au-Prince un jeune Petro Challenger il a arrêté au sabord du théâtre n'était dans commissariat toute la vie après maintenant là mettre Maisonneuve était là mettre Louchet était là mettre France était là et ben monsieur seulement au pas monsieur même bon circulaire que directeur général a sorti, il dit qu'il n'y a pas de monde battre dans le commissariat ni le commissariat. Mais ça me dit qu'il n'y a pas de temps en bas. Mettons, à ce moment, dans le commissariat de Port-au-Prince, qui est un jeune Petro Challenger, il a arrêté. Mais l'un sorti là, il y a battu monsieur, il m'a carré monsieur. Je ne sais pas si il lui. Si tellement, alors, je précise pour vous, ce n'est pas dans le commissariat de Port-au-Prince qui a battu monsieur. C'est la police qui a arrêté lui, qui bat lui, et toute votre tête mis en flèche. Tellement vous battez monsieur, vous avez dit. Monsieur, député, monsieur sauvé miraculeusement. Parce que vous avez dit que parlait de rester à lui mourir. Et non, mais non. Oui, monsieur sauvé là, monsieur Vol là, le remercier Dieu. Osel, même Jean Valenzio là. Parce que monsieur, Rospide Pétion parlait de Salmouri lui-même. Eh bien, c'est ça qui passe. On dit son deuxième tentative d'assassinat qui est lié. Même en samedi. Mais pour où est-ce qui passe samedi pendant que vous vivez en tête ça, sous camarade nous Pétion, Claudia qui en battait. Caïman dans la troisième circonscription. Et mariage qui m'a dit pour m'aller, m'a pas allé encore. Madame Petit Cassin, j'entends que chef protocole parler mort. Tout côté député, oui, tout côté mon nan parlement, oui, faut agent de protocole parlement, oui, là. Et dans le funérail, ça, moi, j'étais présent, député de Colina Bell, j'étais présent, vice-président de chambre député, et Caleb Deramo, j'étais présent, agent protocole, j'étais là, tout. Et deuxièmement, madame Bédica Saint-Jean, c'est mon Fontamara qui est lié, eh bien, Pétion, en tant que petite troisième circonscription, Kabu Fontamara, en tant que citoyenne circonscription, elle est présent. Et heureusement, je ne suis pas dans la machine, nan, nou, qui s'accrive. Malheureusement, tout ça, maintenant, je ne peux pas identifier qui groupe moun qui fait ça, qui groupe individu qui fait ça. C'est ça fait que je demande la justice, je mène une enquête approfondie pour découvrir complot ça qui te vise à assassiner. Non, qui côté qui est sorti. Et pas oublier, M. Moré, dans la veille, que moi-même, je t'ai dénoncé, ma chaîne que M. Dimitri Era, c'est dit qu'elle va lever au niveau des rues de l'Enterre, rue Saint-Honoré, rue Joseph Janvier, rue de la Réunion, rue Mont-Saint-Guillou. Côté que tout malheur et malheureux, ou bien des jeunes pharmaciens, pharmaciennes, des jeunes médecins qui viennent pharmacien rue Mont-Saint-Guillou, du fait que pouvoir matériel, il va être rasé, toute pharmacie ça, il va être écrasé, toute caille qui est dans rue de l'Enterre, toute caille qui est rue de la Réunion, rue Joseph Janvier, toute place Saint-Agneau, toute Richard Rouen, toute rue Mont-Saint-Guillou. Eh bien, il réalise, il faut lever ma chaîne ça, pour casser toute caille ça, yo. Eh bien, après intervention que je me fais sur Radio Zénith, la Mestre, dans la soirée aux environs de 11h du soir, qui ont machine Zoreke, avec des individus armés, des individus en civil armés, qui viennent dans la zone, moi, côté qui m'habite, dans la troisième question, dans la rue de l'enterrement, mon machine Zoreke blanc, avec gros âmes dans mes, yo, ils font bon temps en base, moi, pendant que yo pas avoir une main en base, moi, et puis au lendemain, eh bien, nous avons sujet d'un assassinat planifié sur le plan étatique que je dis à la communauté nationale, la communauté internationale doit prendre note de tout crime qu'a fait dans le pays. Et maintenant, un crime qu'on a fait là, nous ne pouvons pas accepter, même si un massacre à Saline fait, nous voyons que nous prenons nom, nous sommes des jeunes qui nous sont des zones, nous mettons là-dedans, sans que l'auteur principal intellectuel crime, nous pas mettre là-dedans. Nous ne pouvons pas accepter pour que ces malheurs et malheureux qui a mis dans le massacre, qui a jugé et puis pour voler là, non. Même j'en au niveau des crimes bétro-caribéa, crimes financiers bétro-caribéa, nous ne pouvons pas accepter tout. Pour tout le monde qui finit de voler 4 milliards 200 millions de dollars américains, pour que tout ça aille vivre comme l'autre bord, continue à vivre comme l'autre bord là, mais continue à vivre comme l'autre dans les hôtels, et puis pour nous, c'est malheureux et malheureux. Si j'emploie l'État, on va le mettre là-dedans. Même si ça ne dépasse, c'est la question de cette médecine. Doit libérer cette médecine. Et puis ce chauffeur, il est bien en prison. Nous ne pouvons pas accepter ça. Je dis à nous-mêmes, nous disons, aucun intellectuel, crime financier, crime politique, ça, c'est eux-mêmes qui doivent juger. Et nous avons dit, tout député, tout sénateur, tout le monde dans le secteur privé, tout le monde dans la communauté internationale, là, je dis à la qui fait quoi pour voir ça, faut aussi faire exemple, sénateur, sauvez déjà cette là. Pour nous dire, rejoignez une bataille peuple là, parce que je tiens là,
bataille ça cap peinéan prisonnier politique nous conseiller moun mettre moi pas dans commissaire de Port-au-Prince qui on avocat yo parent relèl alors un avocat ou parent ou prisonnier relèl petite dame qui dans prison depuis en février dans prison qui t'en est yo t'a arrêté dans manifestation on prend malheureux malheureux qui pas gain non qui dans prison on prend malheureux malheureux qui dans mort cadavre pourri végétal qui on prend malheureux malheureux qui disparaît pas comme côté au patin je dis à la nous dit pour robinet sans affaire dans le pays et nous dit bravo à sa tête sur elle qui a fait et nous dit tout le sénateur qui connaît qui n'a pas participé dans le crime politique dans le crime financier qui a fait dans le pays là tout le monde qui connaît qui n'a pas participé dans le crime banditisme et d'état qui gagne dans le pays là rejoignez nous dans la bataille ça et je dis à la pendant que nous sommes dans l'arrière pendant que nous sommes là font Jean Cal je dis à la avec Morin que monde qui pense que c'est cassé bataille la cassé au contraire c'est intensifié bataille avec intensifié parce que bataille qui n'a pas rien et qui a deux angles. Il y a un angle populaire là qui c'est mobilisation terrain qui est angle institutionnel là je dis à la que nous sommes Sorel Jacinthe nous est directeur général police là nous est l'ensemble des collègues parlementaires qui connaît que c'est pas eux même qui sont autoproclamés tête qui peut se mettre dans le parlement et bien on représente une population je dis à la route faire route population pour parce que je dis à la tout pays a dit non à l'inacceptable et ça qui passe je dis à la nous pas accepter et crime qui fait dans le pays là nous pas robinet sans fermer et pas aucun monde dans la communauté internationale là qui fait le complice des crimes politiques qui gagnent dans le pays et crimes financiers qui gagnent dans le pays. Merci député Printemps. Merci beaucoup, député Printemps. Nous avons rentré au stade dans le studio Merlala. Nous avons Johnson Coulin avec nous. Nous avons un pilote invité dans le studio. Au stade, et Floris fait arrangement pour M. Chita, pour nous capables de déraper avec eux. Et puis, nous parler. Pendant que nous déraper avec eux, nous prenons pendant 5 minutes tout, Fradin jeudi. Nous avons un petit peu la Fradin jeudi. On permet à M. Sayo, qui avait nous depuis avant 7 heures, pour avancer. Mais, qu'il a un go, quand il y a un monde qui écrit dans le bon sens, il y a un monde qui dit, oh, fais bouler bois, et comme ça, nous envie tout et tout. On va le voir. Mais toi, tu es malade, un pied sale, on va un café rara. Et Nabdiyo. Et Mura est aux anges. Non, Mura est contenté. Mura est dansé. Quand on est dans la route, la plage, où elle va achever la bouche, je vais d'aide. Et n'a vienne demain sous bois même n'a chita en dans bois et n'a chita sous dos mettre faire vite est-ce que vous comprenez à tout reste moun qui coule la bois qui dorme à bois. Bois et que prend initiative bois. Initiateur bois. Parce que quel est le sens de l'unité? Il y a qui ça? Unité au bonal Cyril, unité de Nigetel. Nous faisons une unité. Comment on a pu voter bois? Qu'est-ce qui masse? Vous en mettez fait vêtement. On a là avec moi, monsieur, dans le studio. Demain, mettez fait vêtement, ma vie nous soit tout bois. Comment ça y est, monsieur? Nous en forme. Bonsoir, maître Moïn. Bonsoir, maître Snell. Je salue PDG Radio. Et je salue des cabinets avocats, nous qui c'est maître Maisonneuve. M. André Michel, et nous avons tous les amis, tous les membres plénières Petro-Caribe. Dans ce studio, c'est le comité, on partit dans le comité plénière Petro-Caribe, côté nous avons un coordonnateur, côté nous avons un serviteur, Colin Johnson, porte-parole. Et pour nous commencer, nous avons salué M. Challenge, Reginald, nous pas complice. Nous avons salué Fernando, nous conscient. Nous avons salué Ricardo, nous pas complice. Regional Challenge Populaire et Saline Force Bastiao. N'a pas salué voix des militants engagés pour le procès Petro-Caribe qui s'est fait. N'a pas salué Meïs, n'a pas salué camarades de Sina. Qui du côté des États-Unis. Ça qui mène nous là, c'est suite par rapport avec engagement nous te prenons dans quatre dossiers Petro-Caribe. Nous avons décidé à porter plainte dans quatre dossiers.
côté que t'es gain un juge, gain un juge qui est le Ramon Tite qui qui sous dossier a côté que nous même les plaignants nous gardons nous Ramon Tite c'est son para et comme si son qui portait tout gilet ou la fait pour péto dilapidateur la paré pour lui que nous même comme plaignants nous vinn ouais Ramon Tite pas gain capacité pas gain autorité et Ramon Tite tout pense monsieur son parti lié monsieur pense monsieur parti lié monsieur c'est membre dilapidateur lié parce que pour qui ça nous dit ça. Nous demandé, nous te voyons requête le 23 avril pour nous demander juge Ramon Tite pour te commencer à prendre des décisions dans le cadre des dossiers. Côté que nous demandé juge Ramon Tite pour te commencer pour te commencer faire comparaître devant Matéli, Privé, Jovenel, Sofia, Olivier, Laurent Lamotte, Wilson Lalou, Joseph Matéli, Yves Germain, Baptiste, nous dit que Félix Baptiste a tout le consort. Côté qui est en deuxième position, nous demandons, monsieur, dans la requête là pour te poser ses lits sous Fortune. Quand les matériels gon merveille, les gens Saint-Marc, nous demandons pour commencer à poser ses lits et nous demandons pour te poser ses lits sous tout ça, négo, fait dans le Petit-Caribé. Troisième, ça nous demandons pour te prendre une ordonnance pour interdire toute mafia ça ou. Pas parti. Et après ça, nous demandons pour te poser scellé sous bien tout ancien président. Nous regardons pour nous te pas misé, on délé. Nous regardons pour nous, c'est Nad Marinade dans le cadre de dossier. Qui veut rendre compte, nous-mêmes, les plaignants qui sont partis civils dans le cadre de dossier, nous dit, dossier a dépassé nous. C'est dossier peuple haïtien. En plein dossier, ça prend. Nous ne pas quitter dans mon nègre, dans mon tête calée, qui veut rendre compte, nous-mêmes, en dans le réseau, des conseils avec avocat nous. Nous décidons, font requête de déportation côté nous-mêmes les plaignants, nous dit juge Ramon Tite, et tant que nous sommes partis dans le dossier, nous pas à l'aise avec elle. Nous avons un paquet d'informations de lui. Il y a une émission qui fait à midi et demi. Que animateur émission, même qui a avoué que Ramon Tite n'est qu'à faire discussion, bagaille tête calée. La bola calée qui vient compte nous-mêmes Ramon Tite. Gain capacité Ramon Tite son est cap protéger mafia dossier ça c'est dossier peuple haïtien nous dit Ramon Tite c'est pour le faire le ou la façon comme si Ramon Tite son juge de l'équipe c'est juge de l'équipe c'est 50 juges OK c'est une pas c'est une 50 juges parce que ou change citoyen ba bougeau venir la drive en France il gain monde tout côté on est c'est un confirme mon juge de Paul oui c'est une mon yo que monsieur gagne le placer dans cadre de dossier qui vient rendre compte nous même nous dit Ramon Tite dossier ça, c'est dossier peuple haïtien. Dossier ça, c'est une pigou corruption fait dans toute Caraïbe là. Nous pas ka d'accord pour prendre peuple là pour peuple qui plus corrompu dans Caraïbe là. C'est peut-être ça. Tout groupe cap goumé, tout jeune qui conscient, tout jeune qui dit au pas complice, qui tout jeune qui dit pas faire lâche, tout jeune qui dit pas faire bac, pas dormir, tout jeune et qu'on sort qui propose tout pour les qui dans casse système nous dit nous-mêmes nous pas bail vague c'est peut-être ça nous dit nous pral commencer organiser nous tout groupe nous-mêmes réseau les plaignants pral entrer dans pour parler avec eux pour demander qui ça ensemble nous gain pour nous faire pour nous faire Ramon Tite bay talon dans cadre des dossiers ça. Voilà mon site qu'on est dossier ça li en face c'est pas en face qu'on y a réseau plaignant c'est pas en face cabinet avocat c'est en face peuple haïtien lié c'est en face la jeunesse Ramon Tite c'est peut-être ça nous même nous dit en dans réseau national plaignant Petro Caribé nous dit bataille ça c'est bataille slogan pas nous c'est nous pas faire bac nous déterminer à 100% à 100 000 années 100 000 à l'heure jusqu'à l'infini nous pour aller c'est vous qui nous battez pas on a fait nos défauts on nous permet dire on l'autre monde parce que nous tous et comme si c'est une délégation claire on nous permet dire l'autre ami à présenter et bah point de vue pas libre sortie maintenant on allait là non comité exécutif réseau national des plaignants Petro-Caribé,
prend plaisir pour saluer Maître Morin, Osnel, spécialement magistrat Wony Collin, à toute équipe là qui a fait un travail titanique pour éclairer l'antenne population. Nous dit bravo pour nous. Nous saluons aussi les deux cabinets avocats, tant que Maître Maisonneuve, Maître André Michel, et tout l'autre avocat qui vraiment cap m'a méprisé, maltraité, lorsque vous arrivez dans le commissariat, qui a pris humiliation à mes policiers, qui a marché la guémon pour voir arrêter. Ça qui disparaît, nous ne connaissons pas. Mais nous voyons un mot d'encouragement, bah, au Kembela. Je vous délivre ça presque arrivé. Nous saluons un pire dirigeant qui a bataillé, et qui mourit déjà, qui a assassiné. Nous saluons Télémac, qui, du côté Saint-Marc, qui sont militants et qui bataillent pour que Rein Jovenel la fini. Nous saluons Agonome, Gary, Alliance, tout. Léogane, nous connaissons avec Wilson Hippolyte, chef gang, chef bandit. Nous connaissons M. C'est Massufé, l'affaire population. Léogane est la montée. Et nous-mêmes, je dis, réseau national des Pléiades Petro-Caribé, face avec toute dérive pour voir caler tête ça. A fait en d'un pays. Lorsque nous-mêmes, qui te prend initiative depuis mois de janvier 2018, qui te allé pour te plaindre devant le tribunal, Massé, M. Morin, Elia, tout le monde te tende, te connaît tout. Animal politique qui c'est Joseph Lambert, qui te foncé à Chabrel, à minuit, pour te voyer. Dossier à l'enterrer. Mais grâce avec ces coups bondiers qui te mettaient, on sait des vaillants garçons pour te gantan font coup dans la séance à la fête dans mercredi, dans mardi, premier pléant c'est de Johnson Collin, accompagné avocat qui c'est André Michel, t'as le poté plainte. Et quand j'ai été déclaré compétent pour te mener dossier plutôt caribé. Juge ça, c'était juge Paul Pierre. Quelques jours après, sous pression palais national, juge Paul Pierre obligé de porter le dossier. Alors t'es dit monsieur, s'il pas déporter le dossier, il a fait le même Jean Serge Joseph. Et tout le monde connaît histoire Serge Joseph. Question Sophia Matéli. Bref. Je dis à nous-mêmes, nous estimer dans le réseau national Pléiades Petro-Caribé, Jovenel, c'est un cadavre politique. Je suis arrivé à terme lorsque il y a des sous-sous. Tout le monde connaît, tant qu'ambassadrice américaine, qui a monté au créneau pour le féliciter ou bien pour le convaincre des sous-sous. Qui t'a allé dans fête la Kali. Moi, t'a battu bravo. Quelle honte pour nous-mêmes haïtiens. La Kali, yo. Yo pas t'a toléré pour on est mêlé de la tête aux pieds. Non, assassiné, non, casser bois, population, hein, pour ambassadrice américaine, non, lui-même, pour a demandé pour qu'un dialogue, pour dialoguer avec Mounza. Et c'était la caillou. La France n'a pas toléré. Le Canada n'a pas toléré. Mais comment? Quelle impertinence. Madame ça, moi-même, conseil m'a Bali, et plutôt le fait quoi pour ne pas parler non affaire pays d'Haïti. Pour ne pas fouiller. Excusez-moi l'expression. Joli. Non, ça fait pays d'Haïti. Qui est haïtien, réglez l'affaire. Bref, là, on apprend Ramonsi. Bon, il n'a pas fait dans le palais national. Qui, normalement, de Michel Joseph Matéli, et ainsi que Tchouli, qui c'est Jovenel Moïse, ils ont désigné, ensemble avec le ministre de Justice, ils ont désigné Ramonsi. Tout le monde connaît Ramonsi, c'est un tchoul, c'est un esclave. Qui travaille au profit, Mathieu. Je dis à
nous, depuis un an, nous fait 3 jours grève en dépend de la justice. Mangomode nous, nous là. Eh bien, ça qui est passé. Nous avons déjà bougé avec le dossier. Après 3 jours grève là, grève de fin, nous devons, nous te ouais, et M. Téfon, on a une ordonnance pour demander pour bloquer compte. Mais la pression populaire est assez fort pour mon site. Pour mon site, et M. Téfon, mascarade, il te font une ordonnance, et n'est pas si mon petit qui est avocat et qui a cassé la décision. Eh bien, depuis là, mon site, pas monter, pas descendre. Nous faisons. Deuxième requête, là, nous te fait, c'est 23 avril 2019, je crois. Nous demandons, nous mal 22 jours pour te commencer à arrêter, ou bien pour commencer à saisir bien, dilapidateur. Et à nos jours, on n'y a pas jamais fait. Et mardi, qui c'est 9 juillet, nous balayons on acte de déport. Des ports ça qui mandel sans condition retire col tant pris souple dans le dossier Petrocaribe. Nous informer nation nationale et internationale. Ramon Sit pas ni droit ni qualité pour parler dans le dossier Petrocaribe encore. Parce que demande de déport officiel gain greffier mardi qui normalement recevoir. Mais nous avons maintenant la copie. La copie de cette requête, ça dit que le clair pour informer toute nation en général. Voilà ça. Pas de compétence. Ramosil, pas de compétence. Lorsque tout le monde connaît Ramosil, sont tous Jovenel liés, et nous connaissons Jovenel, c'est un assassin, c'est un criminel, et nous-mêmes nous créons, je dis, le Zone nationale de Playan Petro-Caribé, en consultation avec toute l'autre base d'un coup, Petro Challenger, avec toute l'autre organisation des bases, nous dit clair, je dis à, pour que nous avant, mois d'août, pour nous joindre. Fin, vous venez okay, nous avancer avec l'autre ami, hein, présenter et puis. Au gain 2 minutes. Merci. Merci. Et nous sentons contents pour notre studio là. Et nous saluons M. Ousnel, nous saluons également M. Mouin. Bon, nous répondons au nom de M. Aris Prédélus. Mm-hmm. Bon, moi c'est clair. Pas de caché, pas de bébé, caché dans le bout encore. Définitivement, nous demandons pour que M. Ramoussit déporte volontairement de dossier A. Pourvu qu'elle pouvait être compétente. Aussi volontairement, s'il vous plaît. C'est pas volontairement. S'il vous plaît, déboîter de la liste. Bon, obligation. Bon. Même s'il le départ, même si le départ est volontaire. C'est obligation, faut qu'il retire le dossier. Mais définitivement, nous demander, faut déporter définitivement des dossiers Petro-Caribéa. Parce que. C'est parce qu'il a mon site. C'est parce qu'il a mon site, pas haïtien. Il ne pas comprendre. Donc, bataille populaire, ça. Bon, pourvu que monsieur pas comprenne la bataille populaire là, il ne pas comprendre la nécessité que pour que le peuple ça, qui a drivé dans toute saleté, et il ne pas comprendre qu'effectivement, donc, il y a un acte de justice, l'important pour nous sauver le pays d'Haïti, eh bien, préférer serrer quelque part maintenant, inculper ça, n'est-ce pas qui fait nous diapider le fonds pétro-caribéen. Eh bien, définitivement, nous ne pouvons pas servir avec juge Ramon Sit encore comme monde qui a mené dossier Petro-Caribéa pour nous. C'est d'accord. Tout simplement ça. Merci beaucoup. D'accord. On allait avec l'autre. Donc, nous saluons l'auditeur, auditrice ça. Radio Zénito. Nous saluons M. Ostel, M. Morin. Nous saluons M. Nicolet. Donc, nous allons mettre en ordre nous. Donc, nous saluons le pays en général, toute organisation de base. Nous saluons les frères qui sont Woodson Saint-Jean, non pas M. Widner Saint-Jean, mais en Pétionville. Donc, nous saluons l'autre organisation de base qui est au niveau Pétionville, même famille Lavalas et même Sécurité Démocratique. Et nous saluons tout, et Dr. Jean-Bert Aristide qui a fêté l'anniversaire le 15 juillet. Côté que tout, même toute organisation de base, il y a plusieurs organisations de base, nous allons fêter avec elle à partir de lundi, donc dans l'occasion anniversaire Dr. Jean-Bert Aristide. Donc, nous-mêmes, bataille n'a mené là, sur question Petro-Caribé, nous, les réseaux pléants Petro-Caribé, donc, nous là,
à partir de à partir de à partir de semaine qu'a notre mobilisation pas commencer donc pour que ça nous t'attendent épreuve élève t'a subi examen donc examen fini donc nous pas chiter avec toutes différents autres secteurs organisation de base donc pour lancer un très mobilisation pour commencer donc nous même nous là à partir là Jean Petrocaribe ça nous même côté que même jeune fille avec jeune garçon nous déterminer nous doit pas le Brésil nous doit pas le Chili donc l'argent ça a été calé là pour te faire développement pour te permettre te gagner infrastructure te gagner en pile travail en pile emploi donc te gagner bon genre de santé pour te gagner l'hôpital en pile l'école te construit donc nous ouais l'argent c'est dilapidé voler dilapider l'argent plutôt caribé au niveau Pétionville l'argent c'est là où gagoter mes amis Pétionville pas pour Pétion encore non les disent Pétionville c'est bâti des villes parce que Olivier Matéli, en pile building, là prend les Thierry Maya, les Maya, Thierry Maya pour le gros building côté que l'hélicoptère qu'on descend. Donc nous gagnons au niveau Belleville, dans zone où frère. Là il est pétoua aussi. Ouais. Pile pétoua aussi. Ah bon, compte bas, Johnson. Donc nous est où frère, c'est en dans Belleville côté que nous gagnons un terrain qui c'est Parc des Anges, Wilson Lalo avec Olivier Matéli, Laurent Salvador Lamotte, Michel Matéli. Terrain qui en dans Belleville qui c'est côté nous qu'on joue football donc nous même jeunes filles et jeunes garçons t'es qu'on nous qu'on divertit nous donc côté que nous t'es c'est là nous faire sport nous donc les vacances les espaces donc en pile gros building c'est Cop Petro Caribbean qui construit là nous même terrain ça il appartient avec la jeunesse dans la communauté il appartient à l'État terrain ça pas qu'à bien privé négio il pas qu'à bien privé un petit groupe mafia un petit groupe volé qui vient comme Petro Caribbean dans le côté qui a gagoté dans le terrain ça en dans Belleville le même terrain ça va à disposition population dans la communauté il va à disposition tout est à partir les gayon catastrophe naturelle donc pour gagner pour nous faire tourner un centre d'hébergement donc pour nous loger population donc l'argent Petro Caribbean ça nous même cette fois-ci nous s'est monté 7 fois 77 fois nous même jeunes filles et jeunes garçons nous pas rentrer nous pas quitter la rien la bataille ça nous déclencher là donc à partir de semaine qui vient là très mobilisation prêt à commencer donc nous pas demander Ramon site Aximé pour mettre action publique en mouvement fait quoi donc, fait à partir à partir de réquisition qui mettre action publique en mouvement donc pour réquiser des dossiers Petro Caribbean donc aussitôt que nous même 23 avril nous déposé en plainte formelle donc vous pour te prêter action publique en mouvement donc nous même à partir de semaine qu'a venir avec différents autres secteurs organisation de base Petro Challenger donc nous même nous pas de mettre très mobilisation déboulon les Jovenel donc cette fois-ci donc nous disons mettre Morin mettre Snell bataille pacifique là nous même nous sentons bouquet moi même au niveau Pétionville Jovenel Moïse à partir des mobilisations que tu as gagné semaine passée là Jovenel Moïse s'est marché by cop dans quartier populaire donc en dans jalousie babay enveloppe 1000 gout 1000 dollars 5000 gout alors 2000 10000 gout 50000 gout pour bazo pas sorti alors là prend équipe qui dans grand goût yo mette population dans grand goût jeune fille avec jeune garçon donc les pour gagner mobilisation Jovenel marché dans toute base au niveau Pétionville pour bazo pas sorti et mettre bandi légal donc empêcher manifestation reprend donc pour gagner au équipe moun qui habille en les police gagne moun qui dans la police à tout yo payer ce dit l'argent c'est ça c'est argent PHT qui yo donc qui empêcher mobilisation reprend dans des zones donc qui dit qui tournait Matéliville au niveau Pétionville. Donc c'est là Petro Caribbean là Jean Petro Caribbean puis faut qu'on d'aller la serrer en dedans qu'on fait fort négio Pétionville même connaît là Laurent Lamotte gon caille même en dedans Thomas 32 gon caille là c'est là l'argent le bail soleil à partir de Thomas 32 li gain agent sécurité nous connaît agent sécurité ça qui en dedans palais national c'est go M4 go M1 go T65 yo gagne yo mettez pour mettre sous dos là pour dominer zone là donc leur bail l'argent au prend soleil nous même l'argent Petro Caribbean nous en la mode gagne plusieurs buildings au niveau Thomas au niveau Jacquet tout vous frère donc l'argent nous même nous connaît nous identifier caille voleur
tout caille qui dépasse dans l'argent peto coup cop qui dépasse dans l'argent peto car dire faire gros building gros terrain privé nous-mêmes dans pétion nous-mêmes nous identifions et nous-mêmes nous pral marcher prend eux donc dans jour cap vinn là pour nous saisir posséder les sous caillou côté que Ramon Taxi mais pas fait travail d'accord et Black Simé pour Black Simé vous avez trois numéros attendez oui pour nous rapidement oui maître Snell Mounio, les nous-mêmes dans le réseau depuis après le premier rapport, nous disons de conseil avec tout avocat, nous, Jovenel Saint-Obstacle dans le cadre du dossier. M'abtiens de Pascal Adrien, qui était porte-parole séant, qui sortit un livre. Monsieur Pascal fait qu'on est dans le livre, là, c'est pas comme fait qu'on est dans le livre, là. Jovenel, t'es en face. Séant pour pas bail dossier à jeune coup de compte. A bon entendeur n'a dit yo peuple haïtien moun qui prend pause cap dou yo gonjé a fait nan micmac cap dit yo t'a mené enquête sous t'a mené enquête sous président a mené enquête sous président les États-Unis yo té ki yo bagay qui vient rendre compte n'a dit yo Jovenel c'est un obstacle. Monsieur Yé dans le cadre des dossiers Petro-Caribéen. Volé, pas jugé volé. C'est ça qui fait Maillon ça, c'est lui-même qui a pété. Il a pété Maillon ça pour peuple haïtien qui a joué justice. Cette fois-ci, nous dit, pays a nous pral démarrer, nous ne pas quitter ces Jovenel qui a dit nous, tout problème c'est corruption. Parce que le premier corrupteur qui a dans le pays à ces Jovenel. Nous ne pouvons pas faire avec lui. C'est charbon lié. Li met la boulot, li pa li met la salou. Monsieur son nèg, pep haïtien entend nous pa ka fanyen avèl. Ki vin rann kont m'ap di, bon nou konnen. International là nous connaît soi-disant ambassadeur nous connaît faut faire quelque effort parce que quand même monsieur te font coup pour yo mais n'ap di yo pep momentum ça kap jwenn Haïti. C'est momentum 1803 1804 là. A bon entendre ça li a comprendre. Les salines de décider goumen, si nous tapons de mafia métropole, nous pas tap goumen. Qui vient rendre compte, nous avons dit des esclaves, nous nous sentons sort, nous pas qu'à kembel encore, nous prenons responsabilité nous pour nous libérer tête nous. A bon entendre ça, ça fait garder un monde qui campe devant bataille, ça qu'a fait là. La campe devant tête, li. Parce que nous-mêmes, la jeunesse, nous pouvons aller jusqu'à la victoire finale. A bon entendre ça, nous-mêmes, dans le réseau national pénal Petro-Caribé, tout le monde plein auprès des 75, que moi-même, si je t'apprends cité, pour le faire jaloux, m'a dit yo, yo là dans la bataille là, nous là dans la bataille là, Kembe là, nous pour avancer parce que nous-mêmes, nous sommes initiateurs, nous sommes premier groupe, nous qui pour engagement, avancer la bataille là, m'a dit, tout peuple là qui embrasse la bataille là, merci parce que la bataille là, venir une bataille nationale, c'est bataille chaque haïtien, c'est chaque haïtien qui a la payé pour me dire, prends engagement yo à bon entendre ça li en aller victoire c'est pour peuple cap goumen lié peuple cap goumen pas jamais perdre bataille merci seconde tout côté papa aime le ba mieux bon je dis m'ka prendre maintenant donc bête bon c'est toujours mal ça donc nous gagne un problème au niveau d'Elma côté que Wilson j'ai dit avec Jovenel Moïse soit sont arrêtés au niveau d'Elma 33 qui est Jovenel Moïse avec Wilson jeudi. Ils sont arrêtés ensemble. Non, alors ils mettaient agent DGI, viennent marquer Kaimounio pour commencer à craser Kaimounio, Pep Delma 33, au niveau zone Shalom à Adokin. Donc, côté que papa qui s'est traité tout à l'heure là, donc qui fait me connecté pour me faire un message à passer pour lui. Donc, côté que ils ont commencé à marquer Kaimounio. Ah oui, son jeudi tourné dans le bail. Son jeudi tourné dans le même bail là encore. Côté que il était mettait mafia, toute mafia Jovenel Moïse, comme volé. Donc, vous craser Kaimounio pour Pep là. Si c'est Dieu, t'as écrasé Kaipelé. C'est l'homme de l'équipe. Kaipelé, t'as écrasé. Si c'est Dieu, c'est Kaimoun Delma 33 là, pour écraser. Wilson, j'ai dit, c'est l'homme de l'équipe. C'est même équipe là. Même équipe mafia. C'est Kaimoun Delma 33. L'homme de l'équipe. Kaimoun Delma 33. Avec Mira Demol en tout. Kaimoun Delma 33 qui va écraser. Nous disons avec action, ça l'a posé là nous-mêmes. Très mobilisation pour passer sous Jovenel Moïse. C'est Kaimoun ça va le caser, Kaimoun ça va le caser. Donc qui c'est Kaimoun papa? Maintenant qui est c'est d'aller. Maintenant qui où se tient ton nom? Qui est encore dit? Mirade Molan, l'homme de l'équipe, la mafia. Mirade Molan, c'est chef gang qui travaille, qui a rentré l'argent pour Jovenel Moïse. Mirade Molan. OK.
Donc, côté que Jovenel Moïse qui prend arrêter ça par le sortir par quoi que Nagouajli. Parce que, si vous prenez un téléphone avec Kaimoun, PLRN 5, ou un qui sortait pour avec 6-7 juillet. Puis, il y a la loi venir ici, non? Donc, depuis le moment où tu as arrêté pour l'été. Donc, c'est pour arrêter. Bon, Wilson, j'ai dit, c'est affaire bien privée, l'été, parce que c'est pour gazon, il n'a pas fait dans la zone ça, ensemble avec tout Jovenel Moïse, parce que Wilson, j'ai dit, on bat Jovenel Moïse à bon bord lui-même. Donc, ça dit, t'es en dans espace, c'est pour l'EDH. C'est tout pour employer EDH. Zami, c'est pompe qui va le faire. Pop gazoline qui va le faire, bien privé, Jovenel Moïse à tout Wilson jeudi. Donc, côté que malheureux, l'air, Dessalines tes batailles, c'est pour la guerre, nous devons prendre l'indépendance. Nous n'avons pas besoin de les Dessalines, mais gagne dans le monde à nous. Non, nous pas mettre gagne dans le monde à nous pour nous faire battre. À la manière des Dessalines, nous mettre gagne dans le monde à nous. Merci. Nous pas dans le Pacifique, nous avons des âmes, nous pas prendre dans la face à Jovenel Moïse. Merci. Merci à Mostou et dans la semaine lundi, gagne dans le monde. Gagne dans le monde. Merci beaucoup. Maintenant, elle sait où dit, et semaine lundi, à qui ça l'a bien. Et nous ne pouvons pas rentrer à Mos devant Paquet, Gunna Mouda. Gunna Mouda. Merci.